Christian. C'est quoi tout ça? Je veux dire, en quel honneur, Chris? Bienvenue chez toi, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Tu sais, quand tu es partie, la maison était tellement vide. Et j'ai compris à quel point tu comptais pour moi. J'ai compris que sans toi, ma vie n'a pas de sens. C'est vrai. Ça peut paraître cucu tout ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas quoi dire, Chris. Ferme les yeux, chérie, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux m'aider avec tes cheveux, mon cœur. Merci. Voilà. Parfait. Oh, merci chérie. J'adore, merci beaucoup. Je te demande pardon, chérie. Pardon pour le temps que je t'ai perdu, avec mes hésitations stupides. Je suis convaincu que tu es la femme de ma vie et que tu ne me trahiras jamais. Et j'en profite pour te demander quelque chose que j'aurais dû demander depuis. Et c'est quoi? Voudrais-tu m'accompagner ce soir, voir ma famille, madame? Tu es sérieux? Je suis très sérieux. Christian. Wow. Je ne sais pas quoi dire. J'ai tellement rêvé de ce moment. Je suis tellement émue. Oh, pourquoi tu pleures? Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose de mal? Non. Tout est parfait. C'est juste que je me rends compte que j'étais à deux doigts de tout abandonner, Christian. Si tu avais tout abandonné, ça aurait été compréhensible. Allez, sèche tes larmes. Allez, ça serait compris, mais sèche tes larmes. Je veux que tu sois rayonnante au dîner ce soir. Tu n'y vas plus avec Stéphanie? Non. Stéphanie ira en taxi. Madame, c'est toi la priorité ce soir et tous les autres soirs. Ok. On y va alors. Allons-y. Tu es sûre que tu as fait tout ça seul? C'est un secret. Quelle soirée! T'as besoin d'un verre d'eau, chérie? Non. Un verre de vin serait mieux pour clôturer cette soirée. Tout de suite, ma reine. Merci. Je t'en prie. Merci. Bah, de rien, j'en ai profité pour m'en servir moi aussi. Oh, pas pour ça. Enfin, pas juste.
Merci parce que tu fais de moi la femme la plus heureuse. Et c'était une soirée magnifique. Oh, ta famille alors. Ta mère et ta sœur sont des vraies boules d'amour. J'ai pas eu l'impression d'avoir été une étrangère. Non, chérie, tu n'es pas une étrangère. Tu fais partie de ma vie et par conséquent, tu fais partie de ma famille. Je t'aime tellement, tu sais. Moi aussi, je t'aime. J'attends quelqu'un? Non, et ça tombe super mal. Je vais voir. C'est ici? Christian, je te présente Casey, l'amie dont je te parle tout le temps. C'est chez elle que j'ai passé la nuit hier. Et en fait, elle vient de me dire qu'elle s'est fait cambrioler. Et elle n'ose pas passer la nuit dans son appartement. S'il te plaît, je propose qu'elle passe la nuit ici, afin que demain on puisse trouver une solution. Hein? Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Merci beaucoup, Christian, mais vous savez, je ne vais pas m'imposer. Je pense que je vais aller passer la nuit à l'hôtel. Minute, jeune fille. Tu passes la nuit ici et je ne discute pas, d'accord? Allez, viens t'asseoir. En fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, il y a 2 heures de temps, j'étais chez moi. Lorsqu'on a sonné, je me disais que c'était uniquement mon copain. Mais il est venu avec 2 autres hommes. Ils m'ont pris toutes mes choses de valeur. J'ai très peur. Je ne peux pas rester là-bas toute seule. Je sais pas qu'il revienne. Ton copain t'agresse. On aura vraiment tout vu. Est-ce que tu en as parlé à la police? Non. J'y ai pas pensé. J'ai pas eu le temps de le faire. Pourtant, tu connaissais ton agresseur. Je trouve ça bizarre. Christian! Arrête de faire l'inspecteur. Tu ne vois pas qu'elle est sous le choc? Casey, ne t'inquiète pas, d'accord? Tu es ici chez toi et tu peux rester autant de temps que tu voudras. D'accord? Ne tiens pas compte de lui. C'est vrai qu'il est grinchu parfois, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. C'est un amour. Ça va aller. Allez, viens, je vais t'installer dans ta chambre. Et de protéger ta sœur. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Tu n'es qu'une ordure de la pire espèce. Tu as trompé Ava avec cette Stéphanie de malheur. Pardon? Je t'ai dit que ce mec est une ordure.
Il va retrouver sa maîtresse, cette bimbèche qui t'a manqué le respect dans ta propre maison. Il ne t'a jamais menti, Ayana. Il t'a dit qu'il allait à un rendez-vous. Bon, c'est vrai que ce message change tout. La veille de l'ado d'Ava, ça te dit quelque chose? Tu veux la vérité? Eh bien, oui. Oui, je lui ai dit que toi et moi on couche ensemble. Parce que c'est la vérité. We're back now, it is all the same. Just different, no one's watching us. Step inside, oh, we isolate.